Je suis né en 1948 à Valence. Dans ma famille, il y avait la moumoune. Alors, elle aimait bien que je lui caresse le ventre. J'avais aussi un papa et il m'offrait une bande dessinée chaque fois que je perdais une dent de lait. Puis, j'avais aussi une maman, évidemment, mais alors elle, je la trouvais très autoritaire. D'ailleurs, je la dessinais toujours avec un Néron parce qu'elle me faisait penser à Néron. Elle tournait autour de moi comme un hélicoptère. J'avais l'impression qu'elle voulait contrôler tout ce que je faisais. En plus, des fois, elle devenait un peu bizarre. Alors, j'avais aussi un frère. Alors, on s'amusait tous les deux comme des fous. Ma tante, elle, travaillait au PTT. Alors, elle disait toujours « Allô, j'écoute !» Je me souviens, ma mère et ma tante aimaient bien échanger leurs vêtements devant moi et faisaient comme si je n'étais pas là. Et puis ma grand-mère avait une casserole magique qui faisait la cuisine toute seule. J'avais aussi deux voisines, elles sont beaucoup occupées de moi. Je crois que j'ai été le garçon qu'elles n'avaient pas eu. Il y avait aussi votre grand-père qui était très important pour vous. Oui. Il me posait parfois des questions étranges. Je me souviens, il fallait que je le fasse rire. Et sinon, il me regardait avec un regard absolument terrifiant. Il me mettait la honte. Et dans votre famille, il y avait aussi la télévision. Oui, et mes parents la regardaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je préférais me déguiser de beaucoup de manières. Mais j'aimais surtout dessiner. Je dessinais même à l'école et quand je dessinais pas, je me souviens, j'avais peur qu'on devine ce que j'avais envie de dessiner. Je rêvais aussi de conquérir le monde. Ma mère m'emmenait au jardin public, mais elle était toujours dans ses pensées. Alors souvent, elle me perdait ou c'est moi qui la perdais. Puis je me souviens, le soir, elle me racontait des histoires de gendarmes qui mettent des enfants perdus en prison. Et puis voilà, mon adolescence est arrivée, hein, avec son cortège de cruauté habituel. Mes parents me demandaient ce qui me faisait tant souffrir. Des fois, je m'imaginais les transformer en serpillères. En même temps, il faut dire, j'en avais honte. Hein. Alors, je me sentais partagé en deux, comme un pays en guerre civile. Je rêvais même de guerre réelle pour ne pas avoir à me confronter à la guerre à l'intérieur de moi. Il m'arrivait aussi de me rêver, je me souviens, en Don Quichotte. La vérité, c'est que je me sentais seul. Très, très seul. Alors, heureusement, quand j'étais au collège, je faisais souvent rire mes camarades en caricaturant mes enseignants. Il n'y avait que le dessin qui m'apaisait. Alors, je m'essayais un peu à tous les styles. Après le bac, je suis passé en hypocagne au lycée du Parc. Et puis l'année suivante, j'ai sauté en médecine. Et puis quelques années plus tard, j'ai fait ma thèse de médecine en bande dessinée sur l'histoire de la psychiatrie. Par ici, mesdames et messieurs, par ici, j'ai tous beaucoup. Puisque monsieur a l'air de s'intéresser au dessin, j'ai autre chose ici. C'est la thèse que Serge Tisseron a validée sous la forme d'une bande dessinée. Regardez, monsieur, ces dessins, ces malades zombifiés, ces psychiatres égarés, ce monde dérangé. Docteur, docteur, est-ce normal de remplir mon corps d'eau glacée? Bien sûr, mon ami. C'est pour refroidir votre esprit échauffé. Cette thèse voulait montrer ce que personne à l'époque ne croyait, que la BD permet d'enseigner la grande histoire des idées. Docteur, docteur, est-ce normal de m'infliger des chocs inouïs? Bien sûr, mon ami. C'est pour chasser les idées noires de votre esprit. Aujourd'hui, c'est évident, mais quand ils seront dessinés, beaucoup croyaient que la BD empêchait nos enfants de penser. Docteur,
Docteur, est-ce normal de m'injecter la malaria? Bien sûr, mon ami. C'est pour vous faire oublier tout votre tracas. Les images sont une forme de pensée, exactement comme les mots parlés, et comme aussi le corps qui permet de raconter. Docteur, est-ce normal de m'enlever un morceau de mon cerveau? Bien sûr, mon ami. C'est pour vous éviter la tête sur le bio. Le jury a hésité. Cette thèse était trop déjantée. Mais Roland Barthes a écrit... Évidemment, c'est très très bien. Et Michel Foucault a ajouté... C'est de l'air frais. Alors le jury a accepté cette thèse très bien informée. Docteur, est-ce normal de travailler si dur quand on est lobotomisé? Bien sûr, mon ami. C'est pour vous guérir de votre oisiveté. Vous voulez dire que Serge Tisserand a construit dès 1980 une théorie de la symbolisation? Exactement. Cette thèse, apparemment déjantée, était donc en réalité un joli travail de pionnier. Bien sûr, mon ami. C'est pour chasser les idées noires de votre esprit. Marie-Noël. Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir. Mais moi aussi. Tu sais ce que j'ai écouté en venant? Non, dis-moi. Regardez, monsieur, ces dessins, ces malades zombifiés, ces psychiatres égarés, ce monde dérangé. Tu veux un café? Ah, je veux bien, merci. Je t'ai jamais trop raconté, Marie-Noël, mais tu sais, dans les années qui ont suivi ma thèse, je faisais toujours le même cauchemar. Je me réveillais le matin en ayant l'impression que j'allais recevoir la visite d'un fonctionnaire d'université qui allait me dire « Vous savez, il y a eu une erreur. Votre thèse, on n'a pas validé en réalité. » Alors, je gardais mes cours de médecine dans la cave, au cas où, et puis même, je n'osais pas mettre mon caducée sur ma voiture. J'avais peur qu'on m'accuse d'usurpation de titre médical. Alors, ça a duré quelques temps, et puis ça a passé. En même temps, tu te rendais bien compte de ce qui pouvait choquer le jury. À l'époque, on voyait surtout la médecine et la science du côté du dévouement, et toi, tu viens réintroduire là-dedans l'histoire des passions. J'ai toujours eu l'impression que la colère, la jalousie, même la sexualité, ça a toujours fait partie du quotidien, des émotions du chercheur, du clinicien. Dans ta vie aussi, il devait y en avoir pas mal des passions à l'époque. Oui, c'est vrai. Il y en avait beaucoup, mais alors tu vois, finalement, la bande dessinée m'a permis de leur donner des limites, de les cadrer. Moi, j'imagine toujours ça un petit peu comme un torrent. Hein. Si les berges sont solides, eh bien voilà, on peut le mener où on veut, on canalise. Marc, à l'époque où tu as fait ta thèse, finalement, c'était aussi la grande période de la bande dessinée satirique. Mais oui, tout à fait. Alors, des auteurs, surtout Gottlieb et Reiser, hein, qui insistaient beaucoup sur les mimiques, le corps, les postures dans l'espace. Et alors, tout ça, évidemment, m'impressionnait beaucoup. Hein. Et j'avais l'impression que c'était vraiment un langage à part entière. Et d'ailleurs, depuis, je suis vraiment
intéressé quand je vois des gens, tu sais, avec leur téléphone mobile, parce qu'ils ont des mimiques, même des fois, ils bougent dans l'espace, leurs bras, leurs jambes. Ce n'est pas pour leur interlocuteur, hein, il n'est pas là. C'est vraiment pour eux. La bande dessinée m'a permis de comprendre que la pensée se fait dans le corps. Elle ne se fait pas dans la bouche, elle se fait dans le corps. Et dans ton film, en fait, après la séquence sur la thèse, du coup, y aura quelque chose sur ton travail sur Tintin ? Exactement. Donc ta thèse, en fait, c'est 75 et Tintin chez le psychanalyste ? 1985. Ah oui, c'est ça, 85. Et entre les deux, comment tu vas faire la transition ? Alors, j'ai pensé à une fausse interview. Serge Tisseron, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous sommes très contents de vous recevoir. Alors écoutez, on va tout de suite commencer par votre thèse en bande dessinée. À propos de cette thèse, vous avez parfois évoqué une théorie de la symbolisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, bien volontiers. Alors, sous ce mot de symbolisation, on met tout simplement l'idée que chacun, à tout moment, doit se donner une représentation personnelle de ses expériences du monde. Et vous savez, quand j'ai fait ma thèse en bande dessinée, les sémiologues, les universitaires, les psys, pensaient que la symbolisation, c'était essentiellement un travail du langage, écrit ou parlé. Moi, j'avais l'impression que le corps, les gestes, les attitudes, les mimiques y contribuent, puis aussi, bien sûr, les images, hein, les images qu'on voit, qu'on fabrique ou qu'on a dans la tête. Mais quel rapport avec la bande dessinée ? Alors, c'est très simple à comprendre. Dès que vous ouvrez une bande dessinée, ben, vous voyez des petits personnages hein, qui bougent, et puis souvent qui ont des mimiques assez caricaturales, surtout dans la bande dessinée des années 1960-1970. Et alors, ces petits personnages, il y a aussi des ronds, des phylactères au-dessus de leur tête, avec des fois un petit cochon, un petit couteau, un nuage, un éclair. Donc, c'est leurs états émotionnels, ce qu'ils imaginent. Et puis, il y a évidemment les textes qu'ils racontent, hein, qui sont également dans des ballons au-dessus de leur tête. Et donc, vous voyez, dans la bande dessinée, il y a du corps, il y a des images, il y a du texte, et il me semblait que c'était vraiment un formidable exemple hein, de la manière dont, encore une fois, nous nous donnons des représentations du monde à tout instant, à travers des gestes, des attitudes, des images et du langage. Alors, au-delà du dessin, vous avez toujours eu une préoccupation pour l'impact des images. Et en 1996, vous vous êtes vraiment lancé dans ce combat en publiant « Y a-t-il un pilote dans l'image ?» Alors, 6 propositions pour prévenir les dangers des images. Et à l'époque, je crois que ça n'a pas vraiment eu d'écho. Non. Alors, à l'époque, tout le monde était dans l'euphorie des images. Tout le monde voyait tous les avantages qu'elles nous procurent, notamment en termes de plaisir, de distraction. Et personne n'avait trop envie d'entendre parler de leurs dangers. Il a fallu que vous attendiez 2006 pour intervenir dans le débat public. Oui, alors, parce qu'en 2006, 2 chaînes de télévision ont prétendu émettre en continu des programmes soi-disant pour les enfants de moins de 3 ans, y compris la nuit, pour les aider à se rendormir sans que les parents aient besoin de se lever. Alors évidemment, j'ai été scandalisé. Avec des amis, on a monté une pétition, on est intervenu auprès du ministère de la Santé, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et c'est le moment où on a lancé le fameux slogan « Pas de télé avant 3 ans ». Donc c'est la même année que vous publiez « Les dangers de la télé pour les bébés », non au formatage des cerveaux. Oui, à ce moment-là, j'avais vraiment à cœur de protester contre l'extraordinaire hypocrisie des fabricants de programmes pour enfants, notamment très jeunes enfants, parce qu'ils prétendent vouloir amuser nos enfants, alors qu'en fait, ils veulent les transformer en prescripteurs familiaux. Hein. Vous savez que toutes les petites figurines qu'on trouve dans les programmes soi-disant pour enfants, on les retrouve au supermarché sur différents objets. Et puis quand l'enfant voit sur un objet la figurine avec laquelle il s'est familiarisé avec la télévision, eh bien, il demande que le parent achète l'objet. Hein. Et souvent, il fait un caprice, hein, comme beaucoup de parents savent. Oui, je pense que tous les parents qui nous écoutent ont en effet vécu ce type de situation. Alors donc, pour aider les parents, vous proposez les balises 3, 6, 9, 12. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, parce que après le combat mené en 2006, des parents m'ont dit ben, « on a bien compris, évitons la télévision avant 3 ans ». À l'époque, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de smartphone. Mais ils m'ont dit « mais et après, qu'est-ce qu'on fait ?» Et je me suis dit ben, « oui, c'est important de proposer des repères pour les enfants plus grands ». Et donc, 6 ans, 9 ans, 12 ans m'ont paru des bons repères. Maintenant, c'est cycle 1, cycle 2, cycle 3.
1, d'ailleurs, de l'Éducation nationale. Et donc, du coup, les balises 3, 6, 9, 12, ce sont des conseils aux parents pour leur expliquer comment bien introduire les écrans dans la vie de leur enfant, en termes de durée, mais aussi en termes d'usage. Et pourquoi ? Ben, pour que les enfants apprennent à utiliser les écrans, mais bien sûr aussi qu'ils apprennent à s'en passer. Apprendre à s'en passer pour apprendre à s'en servir, apprendre à s'en servir pour apprendre à s'en passer. Mais alors, Serge Tisseron, 36912, c'est aussi une association. 36912. 36912. 36912. 36912. 36912. 36912, c'est pour moi une méthode pour aider les familles à éduquer leurs enfants au numérique de façon éclairée. L'éducation ne consiste pas seulement à guider et à protéger un enfant, mais lui apprendre progressivement à s'auto-protéger et à s'auto-diriger dans la vie. Pour que les écrans soient toujours pensés comme des outils complexes et non pas simplement comme des objets de divertissement. Pour encourager les parents à utiliser les écrans avec leurs enfants de façon ludique, créative et surtout dans l'échange. Pour comprendre la place qu'occupent aujourd'hui les écrans dans nos vies et dans nos relations, et pour que chacun puisse être accompagné et remettre du dialogue et de l'échange au cœur de nos interactions. Pour une diététique des écrans, afin de permettre aux familles d'avoir des repères pour une utilisation raisonnée. La même année, vous créez également le jeu des trois figures. Qu'est-ce que c'est que le jeu des trois figures ? Lorsque j'ai mis en garde contre la télévision pour les enfants de moins de 3 ans, je me suis aussi posé la question de savoir comment aider les enfants qui avaient plus de 3 ans et qui étaient restés beaucoup devant la télévision. Et donc, j'ai eu l'idée d'imaginer en effet un jeu théâtral que j'ai appelé le jeu des trois figures. Alors, pourquoi les trois figures ? À cause de figures qui sont souvent présentes dans des programmes télévisés ou les jeux d'enfants. La figure de l'agresseur, la figure de la victime et la figure du tiers, hein, qui peut être témoin, redresseur de tort ou sauveteur. Alors, pourquoi cette activité ? Parce que il est très important aujourd'hui, non seulement de contrôler la consommation d'images des enfants, mais aussi de leur donner les moyens de prendre du recul par rapport aux images qu'ils voient. Et donc, le jeu des trois figures est une activité théâtrale pratiquée par les enseignants, de la maternelle à la sixième, dans leur classe, de manière à développer chez les enfants du recul par rapport aux images, du recul par rapport aux situations, et finalement leur capacité d'empathie, de manière à parvenir à un climat plus serein dans les établissements scolaires, mais à terme aussi dans la société. Alors, développer l'empathie par le jeu des trois figures, c'est aussi une association, encore une, et nous allons tout de suite aller voir ce que les enfants en pensent. Tout à l'heure, ouais, j'ai joué au jeu des trois figures, et puis c'était bien, parce qu'au jeu des trois figures, on peut parler de ce qu'on voit à la télé, et puis, bah, heureusement, parce qu'on voit plein de trucs sur les écrans. Je trouve que le jeu des trois figures, c'est un super moment, on n'est pas assis en classe, on a aucune leçon à apprendre et on n'est pas noté. Alors du moment qu'on n'est pas noté, c'est le moment que je préfère. Bah aussi, moi j'aime bien faire semblant de faire deviner aux autres les émotions que je fais. Moi je trouve très bien que les garçons puissent jouer le rôle des filles et les filles jouer le rôle des garçons. C'est bien et c'est intelligent. J'ai eu le rôle de la victime. Et alors comment tu le jouais ? Quand j'ai fait la victime, bah, ça me fait de la peine, alors je pense à quelque chose de drôle. Avant, je sais pas le dire, mais quand quelqu'un te fait du mal, il faut pas hésiter à aller voir un adulte avant que ça empire. Avant, je savais pas vraiment ce que c'était qu'une émotion, bah maintenant, je le sais, et c'est bien. Alors, on a bien vu développer l'empathie avec les enfants, le jeu des trois figures, mais pour les plus grands. Oui, alors effectivement, le jeu des trois figures en 2006, c'est pour les petits. Et on s'est posé la même question. Et depuis quelques années, avec Benoît Labourdette, nous avons développé un programme qui s'appelle Pocket Film Empathie. Pocket Film, film de poche, et développer l'empathie grâce au film de poche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous formons des éducateurs de rue pour qu'ils apprennent à utiliser leur téléphone mobile de manière à entraîner les enfants déscolarisés, hein, qui sont souvent dans les rues, à utiliser eux aussi leur propre téléphone mobile pour s'approprier leur propre histoire. Utiliser le téléphone mobile comme un outil de construction identitaire. Voilà. D'où ce titre Pocket Film Empathie. Vous avez également créé l'Institut pour l'histoire et la mémoire des catastrophes. Alors là, je reprends mes petites notes.
donc la mémoire de chacun au service de la résilience de tous. Oui, alors la création de cette association, c'était en réponse à une demande du ministère de l'écologie en 2008, parce qu'en 2007, j'avais publié un livre qui s'appelle « La résilience », un livre dans lequel je prenais le contre-pied hein, de ce qui était dit à l'époque sur la résilience, alors que beaucoup de gens ne parlaient que de résilience individuelle, moi je parlais de résilience collective. Et donc j'ai proposé la création d'un site internet hein, qui recueille les mémoires de chacun, chaque personne ayant pu vivre des catastrophes, notamment des catastrophes naturelles, hein, qui sont souvent oubliées en France. Hein. Et ce site de témoignage est destiné à permettre à chacun ben, de faire connaître ses expériences, d'enrichir les expériences d'autrui, de créer des liens, de permettre la formation de groupes. Et donc, c'est pourquoi le sous-titre, c'est « La mémoire de chacun au service de la résilience de tous ». Alors enfin, vous créez une quatrième association, vous êtes le roi des associations. Hein. Alors c'est l'IERHR, l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots. Donc là, il va falloir nous en dire un peu plus. Alors pour comprendre pourquoi, avec Frédéric Tordeau, nous avons créé en 2013 l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots, il faut comprendre que nous avons été tous dépassés par le formidable développement technologique des écrans. Les gens ont été tout d'un coup, comme on dit, envahis des écrans, sans l'avoir anticipé, et face à énormément de problèmes, notamment familiaux, pour lesquels les gens se sont trouvés perdus, hein, d'où l'idée des balises 3, 6, 9, 12. Donc notre idée, c'est que le XXe siècle a été le siècle des écrans, mais le XXIe siècle va être le siècle des robots, et notamment des fameux robots émotionnels, des machines capables de simuler des émotions humaines. Comment allons-nous gérer ces machines? Nous ne le savons pas encore très bien, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut nous y préparer. D'où l'idée hein, de ne pas faire la même bêtise qu'avec les écrans. Anticipons, préparons-nous à l'arrivée de ces fameuses machines avec lesquelles nous allons interagir comme avec des humains, mais il ne faudra pas oublier qu'elles ne sont que des machines. Vous nous parlez d'un avenir, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais bon. Alors j'aimerais qu'on reparte un tout petit peu en arrière. On est ici devant votre bibliothèque et nous avons là quelque chose qui fait penser au vaisseau de la licorne. On va être obligé de parler de Tintin, je crois. Oui, alors, le vaisseau de la licorne, c'est une jolie maquette, hein, vous voyez, c'est pas la licorne, mais enfin, ça l'évoque. Et vous savez que Tintin, au début de l'album qui s'appelle Le secret de la licorne, découvre une maquette semblable dans un marché aux puces. Alors déjà, j'en profite pour dire que j'adore moi aussi les marchés aux puces, et d'ailleurs, les surréalistes ont écrit des pages magnifiques hein, sur ces rencontres inattendues, où on trouve un objet... On est bouleversé, on ne sait pas pourquoi, on l'achète, on l'emmène chez soi, il anime notre imagination. Et alors, dans Tintin, eh bien, tout commence dans un marché aux puces, et je vous propose que nous y allions. Monsieur, je vois que vous êtes intéressé par ce bateau. C'est la maquette du célèbre vaisseau La Licorne. Vous savez bien, La Licorne, dans les aventures de Tintin, c'est le vaisseau du chevalier de Haddock, l'ancêtre du capitaine Haddock. Il paraît que cette maquette contient la carte d'un trésor caché. Ah oui ? Ah bon ? Vous n'avez pas l'air d'y croire à mon bateau. Mais ce qui est certain, c'est que les aventures de Tintin, elles... cache bien un secret. C'est le psychiatre Serge Tisseron qui le dévoile dans son livre « Tintin chez le psychanalyste ». C'est écrit là-dedans. Voyez ici, il y a le capitaine Haddock, en psychanalyste, en train d'attendre ses patients. Et là, Freud, déguisé en chevalier de Haddock. Ah mais c'est incroyable, Hergé a dessiné Freud. Non. Quand Tisseron a écrit « Tintin chez le psychanalyste », Hergé était déjà mort. C'est un de ses collaborateurs qui a dessiné la couverture. Hein, mais comment est-ce possible? C'est Fanny Rémy, la veuve d'Hergé. C'est elle qui le lui a demandé. Mais comme il n'avait pas d'idée, il a demandé à Tisseron de lui faire une proposition. Et justement, cette proposition, nous l'avons. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Là. Où est-elle? Ah, là voilà, le brouillon dessiné par Tisseron de la couverture de Tintin chez le psychanalyste. Et ici, nous l'avons en couleur. Excusez-moi, monsieur.
si vous permettez, vous oubliez le principal, le contenu du livre. Il montre que le chevalier de Haddock, qui est l'ancêtre du capitaine Haddock, serait en réalité un fils jamais légitimé par son père Louis XIV. Un bâtard, si vous préférez. Incroyable! Comment peut-on affirmer ça? Or, j'y viens. Tout a commencé avec les Dupont. Tisseron a remarqué qu'ils sont jumeaux, mais qu'ils ne portent pas le même patronyme. Il y en a un qui s'appelle Dupont avec un D, l'autre Dupont avec un T. Alors, il s'est dit, mais comment s'appelle leur père? Dupont avec un D ou bien Dupont avec un T? Ou bien alors, ils ont deux pères. Ah, il y aurait donc un secret de filiation là derrière? Mais où le chercher ce secret? Il existe 24 albums de Tintin. Oui, mais il n'y en a qu'un seul dont le titre parle de secret. Et c'est... Le secret de la licorne. Exactement. Et c'est dans cet album que Tintin et Haddock découvrent le trésor caché par le chevalier dans les fondations de Moulinsart. Un trésor? Les fondations d'un château? Mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Oh, je savais que vous alliez me le demander. Eh bien, en partant de l'idée qu'une bande dessinée, ce sont des images, il faut donc prendre les mots importants dans un sens imagé. Or, il y a deux mots importants dans ce que vous venez de dire. Le mot trésor? Exactement! Et un trésor, ce n'est pas seulement des bijoux ou des pièces d'or, c'est tout ce qui est précieux. C'est tout ce qui est précieux. Par exemple, un enfant. Il y a beaucoup de mères qui appellent leur enfant mon trésor. Ah, et l'autre mot important, c'est fondation? Exactement! Dans son sens littéral, le mot fondation désigne les caves sur lesquelles on construit un bâtiment. Mais dans son sens imagé, il désigne une lignée. On dit fonder une famille, fonder une dynastie. J'ai compris, le trésor caché dans les fondations de Moulinsart désigne donc un enfant caché dans la lignée du capitaine Haddock. Mais pourquoi un fils caché de Louis XIV? Grâce au parchemin par lequel le roi Louis XIV fait don du château de Moulinsart au chevalier de Haddock. Comment ça? Dans ce parchemin, Louis XIV appelle le chevalier notre cher et aimé François. Croyez-vous que ce soit les propos d'un roi, un capitaine de marine? Oh non! Ce sont les mots d'un père à son fils. Ils sont magnifiques ces haricots, dis donc. Oui, je pensais que ça te ferait plaisir d'en manger ce soir. Ouais, t'as pas tort, j'aime beaucoup ça. Je me souviens plus comment t'en es arrivé à travailler sur les secrets de famille. Ben écoute, c'est très simple, hein. Il y a des gens qui m'ont dit, ben écoutez, vous êtes tellement bien arrivé à trouver le secret de famille de Hergé que vous allez pouvoir m'aider à trouver le mien. Tu me perds un peu là. Le secret de la famille de Hergé, mais en fait, dans le film, c'est du secret du chevalier de Haddock dont on parle, non? Ben oui, tu as tout à fait raison. C'est en effet pas du tout pareil. Mais il y avait autre chose dans mon travail qui parlait du secret de Hergé. Excusez-moi, je vous écoute depuis un moment, mais vous oubliez l'essentiel. Le secret caché dans les aventures de Tintin met en scène un secret exactement identique à celui de la famille de Hergé. C'est aussi dans le livre. Alors là, madame, il faut nous en dire un peu plus. C'est le secret d'un garçon qui a toujours ignoré qui était son géniteur. Et il en a tellement souffert qu'il a transmis sa souffrance à ses descendants. C'est vrai ! Cette hypothèse a été validée 2 ans plus tard, en 1987, par Thierry Smolderen et Pierre Stax. Ils ont découvert que le père et l'oncle de Hergé, qui étaient jumeaux, étaient nés d'un père inconnu. Et qu'ils avaient été reconnus par un autre homme. Leur géniteur était même peut-être le roi des Belges de l'époque. Léopold II. Un chou lapin, celui-là. Oh, permettez-moi d'en douter, madame. On ne sait rien de tout ça. Ah, c'est vrai. Pour les jumeaux, le secret était total. Je dirais même plus. Le scrotal était crotté.
qui est certain, c'est que le petit Hergé était perdu avec tout ça. Alors il a imaginé des histoires pour essayer de comprendre, et puis il les a mises plus tard dans les aventures de Tintin. Vous voulez dire que Hergé a mis en scène le secret de sa propre famille dans son œuvre ? Mais c'est ce qu'on essaie de vous dire depuis le début ! Il est trop bête, celui-là ! Formidable Hergé qui a fait Tintin. Formidable Tintin qui a fait Hergé. Finalement, dans les histoires de secrets de famille, quand tu commences à chercher, tu sais jamais ce que tu vas trouver. Ah oui, ça, c'est, je l'ai découvert assez vite grâce aux travaux de Nicolas Abraham sur la façon dont un secret porte son ombre sur plusieurs générations. Tu parles de Nicolas Abraham, mais c'est Nicolas Abraham et Maria Torok. Il va falloir que tu leur fasses une petite place dans ton film. Oui, mais c'est prévu. Dans les années 80, les travaux de Nicolas Abraham et de Maria Torok étaient très peu connus. C'est-à-dire l'idée que les traumatismes à une génération puissent avoir une influence sur les descendants, sur la génération suivante, apparaissait saugrenue, un peu bizarre, un peu étrange. Et Serge Tisseron a contribué à rendre cette théorie accessible, fluide et simple. En 1995, nous avons créé la Société de thérapie familiale psychanalytique avec Gérard de Scherf et dont Serge a été le premier président. En 1999, Serge a été l'un des fondateurs, aux côtés de Claude Nachin, de l'association Abraham et Torok, association qui valorise l'œuvre de ses auteurs. Évidemment, nous avons donné de l'importance à la prise en charge des familles hantées par des secrets douloureux. Tenez, madame. Ici, nous avons le manuscrit du livre de Serge Tisseron, Secrets de famille, mode d'emploi. C'est un livre sur les bons et les mauvais secrets. Les bons secrets nous protègent, nous décidons de les garder ou pas, mais les secrets malsains nous emprisonnent. Nous ne savons pas comment en sortir. Vous savez, ce livre m'a beaucoup aidé. Mon père avait fait la guerre et il ne nous en parlait jamais. Mais je suis certaine qu'il souffrait de la honte de ce qu'il avait vu, et même peut-être de ce qu'il avait fait. Parce que quelquefois, quand j'étais près de lui, je ressentais une honte terrible sans savoir pourquoi. Ah oui, la honte. La honte. Le même auteur a écrit aussi le tout premier livre entièrement consacré à la honte. C'était en 1992. C'est le livre que tu as perdu, non ? Oui. À l'époque, on croyait que la souffrance et la honte d'un parent passaient directement de l'inconscient d'un parent à l'inconscient d'un enfant. Alors, pour connaître le secret qu'on lui avait caché, l'enfant n'avait qu'à interroger son inconscient ? C'est ce qu'on croyait. Mais Serge Tisseron a montré que la transmission passe par les gestes, les attitudes, les mimiques, les intonations. Ah, je vois, vous êtes une spécialiste. Oui, la transmission passe par le corps et par les émotions. Exactement. Et c'est ce qu'il a appelé les suintements du secret. Toujours les secrets suintent comme une plaie mal cicatrisée. Et quand l'enfant imite les mimiques de son parent, quand il s'intéresse à ce qui intéresse son parent, et quand il se détourne de ce qui fait peur à son parent, il finit par ressentir ce que son parent ressent. Exactement. Et si le parent est porteur d'un secret douloureux, l'enfant est envahi par l'angoisse, la culpabilité et la honte de son parent. Oui, je confirme. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est en insécurité. C'est ce que Tisseron a appelé en 1996 les ricochets du secret
d'une génération sur l'autre. Il essaye de comprendre ce que son parent lui cache. Il imagine des tas de choses et il n'ose pas en parler. C'est pourquoi le secret ne s'oppose pas à la vérité, car il est le plus souvent impossible de la connaître. C'est en communiquant qu'on s'oppose aux effets des secrets. Monsieur, c'est bien agréable de vous écouter. Je me sens très proche de tout ce que vous dites. Il semblerait que nous ayons les mêmes lectures. Oui, madame. J'ai découvert qui était mon père grâce à ce livre. Et qui était-ce ? Madame, c'était lui. Ah ! Ah ! Mamma mia ! Ah, un secret peut toujours en cacher un autre. Bon, ben, c'était vraiment une bonne idée que tu passes. Merci beaucoup. C'est ton vieil instamatique, non ? Mais oui, tu le reconnais. Tu fais encore de la photo ? Non, hélas. Oh, un instamatique ! Oh là ! Attention, ma petite dame ! On ne fait pas clic-clac comme ça avec une pièce de collection. Cet instamatique a appartenu à Serge Tisseron. C'est Bernard Plossu qui le lui a offert. Le photographe qui utilise des appareils jouets pour faire des photos d'art. J'ai un portrait de lui, regardez. Mais il est tout flou. Évidemment, Bernard Plossu est LE spécialiste du flou. Il a exploré tous les flous possibles. Et Serge Tisseron en a fait la théorie. Regardez, elle est là-dedans. Le mystère de la chambre claire. Il a dédié son livre au Kodak à souffler de son père. D'ailleurs, il est ici. Qui ça ? Son père ? Mais non. Non, le souffler. À cette époque, la photographie était souvent considérée comme un art de la mort. Serge Tisseron a montré qu'elle est un art de la vie. Les images floues ne nous parlent pas forcément de ce qui a été et qui s'efface. Elles nous parlent tout autant de ce qui est en train d'apparaître. Regardez ces images, prises en voiture ou en train. Elles acceptent l'imprévisible. Oh, la barbe ! Elles sont toutes en noir et blanc. Moi, j'ai un appareil en couleur. Et là, qu'est-ce que c'est ? C'est le manifeste de l'école inférieure de la photographie. Une école inférieure ? C'est pour rire ! C'est une invitation à photographier sans se préoccuper de ce que sera la photo. Photographier pour rendre hommage à la beauté du monde. Comme l'image est toujours imprévisible, laissons cet imprévisible se manifester. Moi, monsieur, je n'ai pas honte d'aimer les jolies photographies, bien nettes et bien cadrées. Madame, il nous arrive à tous d'avoir envie de faire de jolies photos. Mais le bonheur de photographier, c'est autre chose. C'est l'émotion, c'est l'urgence, c'est une vibration. Et si on tremble un peu, ce n'est pas plus mal. Le net est plus en vogue, car dans nos vies, tout est flou. Et moins nous y voyons clair, plus nous voulons des photos nettes.
l'appareil photo prolonge la main, comme un coup de crayon, pour le bonheur d'enregistrer une trace. Sans flash, ni recadrage. Les images n'ont pas de genre. Voyez-vous, elles sont toutes hermaphrodites. Et elles s'adaptent à tous les formats, y compris les plus petits. Ah, finalement, c'est comme quand on fait un enfant. On ne sait jamais ce qu'il va être. Et quand on le regarde, on pense autant à l'avenir qu'au passé, au passé qu'à l'avenir. Chercher quelque chose. J'ai entendu dire que vous aviez la réplique du vaisseau la licorne. Ça m'intéresse. Mais je vous dérange peut-être. Non, pas du tout. Vous voulez dire le bateau, là? Ce n'est pas la licorne. C'est la Santa Maria de Christophe Colomb. Parfois, on dit que c'est la licorne. Voyez, pour la vendre. Et il n'y a aucun secret là-dedans. Ah, je vois. Et vous donnez le biberon à votre machine? Oui, ça vous gêne? Non, mais... Vous n'avez pas peur de trop vous attacher à elle? Ah, pas d'inquiétude. Nous savons bien qu'elle n'a pas plus d'émotion qu'un aspirateur. Parle de lui au masculin, s'il te plaît. C'est un garçon. Si tu t'en occupais, tu le saurais. Et il est très sensible. Fais attention à ce que tu dis. Arrête, c'est une machine à simuler. Tu le dévalorises toujours. Moi, je l'aime comme il est. Et qu'est-ce qui vous arrive à vous? Vous n'avez jamais vu une famille? Maman, je t'aime, maman. Ça, c'est notre secret, à tous les deux. Maman, je t'aime.